Jeanne Soubagny, on est ensemble pour évoquer les chances de Milena John dans le quintet de ce lundi à Paris-Longchamp. Milena John vient de courir à Chantilly, 1300 mètres PSF, elle a fini 8e. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette sortie? Disons que la jument court pas mal à Chantilly en dernier lieu. Elle a attendu comme d'habitude et malheureusement ça s'est pas ouvert. Donc on est resté un petit peu sur notre faim, mais la jument a pas pris dur, elle est bien rentrée. Cette fois, elle va débuter sur une distance plus courte, 1000 mètres. Comment on voit la chose? Disons que 1000 mètres, elle a jamais fait. Ça va être la première fois. La première fois sur ce champ de course. On va la laisser courir. On va voir comment elle s'y prend, si elle s'adapte ou pas. Avant coup, quelles sont ses chances? Je pense que la jument est restée bien. Comme je vous disais, elle n'a pas pris dur à Chantilly la dernière fois. Elle est de plus en plus belle. C'est sa saison vraiment préférée. On y va sans trop d'ambition parce qu'elle n'a jamais fait sur ce parcours-là. On aura plus d'ambition le 21 mai à Maison Lafitte, 1200 mètres, un champ de course qu'elle affectionne, un tracé qu'elle aime beaucoup, où elle a fait une belle arrivée. Ce coup-ci, on a des ambitions, enfin, on espère gagner, mais clairement, on ne lui reprochera pas de ne pas s'adapter. C'est une jument qui a maintenant plusieurs parcours dans les jambes cette saison. Est-ce qu'elle arrive au mieux? Je pense qu'elle est de mieux en mieux du fait de la saison et du fait que la jument reste en forme. Cette fois, on vous avait dit, on ne lui en voudra pas, mais on se prive de rien. Non, on se prive absolument de rien lundi à Longchamp. On acceptera la meilleure des places et je pense qu'elle va bien courir. À cette valeur-là, est-ce qu'elle peut gagner son quintet? Je pense que si elle gagne son quintet, c'est à cette valeur-là. On est pile poil dans ses cordes.